Europe 1, la vie en bleu. On est toujours fiers et honorés d'être sélectionnés, encore plus pour une Coupe du Monde. La vie en bleu au cœur de bons baisers du Mondial, la Coupe du Monde, des nouvelles de l'équipe de France et bien sûr toujours au cœur de notre match. Ce soir, le grand match entre l'Allemagne et la Suède, la demi-heure de jeu est toujours 0-0. On trouvera Julien Fromont, on peut le retrouver d'ailleurs à tout moment. Mais avec nos experts, nos invités, Marion Hédalo, Thierry Bretagne, Patrick Julliard, Jérôme Papin, nous avons le plaisir d'accueillir Cyril de la Morinerie. Bonsoir Cyril. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. L'un de nos envoyés spéciaux en Russie pour Europe 1, Cyril qui suit principalement, particulièrement l'équipe de France. Alors je sais que vous avez eu la chance d'échanger avec Sidi Bé, avec Thauvin aujourd'hui en conférence de presse, mais on a décidé de parler avec vous et avec nos invités ici sur Europe 1, Cyril, d'Olivier Giroud qui, à notre sens, est devenu de plus en plus, parce que ça fait moins débat, la place de Giroud en équipe de France, le principal relais de Didier Deschamps. Vous qui êtes proche des Bleus, qui les suivez régulièrement, est-ce que vous avez aussi cette impression ? Moi, j'ai l'impression que c'est même plus qu'un relais. C'est un joueur qui n'a jamais déçu, en qui Deschamps a une confiance absolue. Et il est séduit, Deschamps, par son attitude exemplaire. Hein. D'abord parce que depuis sa première sélection en 2011, Giroud s'est toujours montré sobre, discret. Il ne conteste aucune décision. Est-ce que vous l'avez déjà entendu, Lionel, se plaindre d'être remplaçant, par exemple, contre l'Australie ? Jamais. Non. Jamais, jamais, alors que ça n'a pas toujours été facile pour lui, notamment en équipe de France, plus d'une fois. Exemple en 2014 pour la Coupe du Monde, c'est Benzema qui est titulaire, Giroud reste sur le banc sans broncher, et quand le joueur du Real est écarté, bien Giroud ne fanfaronne pas, il se réfugie dans le travail, pas de jalousie non plus, de mauvais sentiments, alors qu'il y a l'émergence actuellement des jeunes Mbappé, Dembélé. Deschamps, il ne s'en cache pas, il a beaucoup d'admiration pour l'homme, pour son profil, ce n'est pas le plus doué de l'équipe, mais il s'est toujours battu pour y arriver. D'ailleurs, il le disait en conférence de presse en début de rassemblement, c'est l'histoire de ma vie, rien n'a été facile. Je suis aujourd'hui un guerrier sur le terrain et Giroud est un travailleur, un besogneux. Il multiplie les allers-retours dans la surface de réparation. Et puis aussi, Lionel, c'est important auprès des jeunes coéquipiers, eh bien, il prêche la bonne parole sur les replis défensifs, notamment. Je veux reprendre ces mots. Il y a du plaisir même dans l'effort défensif parce que l'on fait le boulot pour le partenaire d'à côté, on donne envie à celui qui est derrière de le faire à son tour. Alors on continue à parler d'Olivier Giroud avec vous dans quelques instants, mais on prend la direction de la Russie et également pour le match entre l'Allemagne et la Suède, Julien Fromont. Super, 1-0 pour la Suède face à l'Allemagne. Quel but incroyable. Il est signé en Toivonen, le joueur de Toulouse lancé dans la profondeur après une erreur de relance de l'Allemagne. Eh bien, Toivonen qui est à la lutte avec un défenseur allemand, il résiste, il contrôle de la poitrine et le petit lob sur Manuel Neuer, le ballon qui va finir dans le petit filet. Et voilà la Suède qui crée la surprise, qui mène 1-0 face à l'Allemagne après 32 minutes de jeu. C'est très mal parti pour les Allemands. Incroyable, incroyable coup de théâtre dans ce match entre l'Allemagne et la Suède. L'Allemagne qui a perdu le premier match et qui est en train de perdre le deuxième. Est-ce que les champions du monde en titre vont quitter le mondial prématurément ? On se souvient de 2002 avec l'équipe de France aussi qui avait quitté le mondial après le premier tour. On va continuer à en parler évidemment, mais on reste sur le cas de l'équipe de France, des Bleus toujours avec Cyril de la Morinerie, avec Marion Hédalo, Thierry Bretagne, Patrick Julliard et Jérôme Papin. On reviendra sur cette stupeur et cette manche qui est en train de sombrer, bien évidemment. Cyril nous disait, Jérôme Papin, que Olivier Giroud était sans doute plus qu'un relais, qui faisait l'effort, qui ne se plaignait jamais. Je crois que ça va encore au-delà maintenant. Je crois qu'il a franchi un cap psychologiquement, car avec son abnégation, il est vraiment au service de Deschamps, du message de Deschamps. Il défend, il donne de la voix, il marque des buts, en tout cas il fait marquer, puisque le but d'Mbappé c'est sur l'une de ses frappes. Il est omniprésent. Oui, il est le... Je pense, vous savez, que tout entraîneur ou tout sélectionneur pour une équipe nationale a toujours eu un ou deux joueurs comme ça. Des joueurs clés qui sont peut-être pas forcément, si l'on prend que des critères purement sportifs du terrain, ceux qui peuvent être les meilleurs à ce moment-là, à leur poste en l'occurrence. Mais qui sont ceux vers qui le sélectionneur ou l'entraîneur du club va alors se réfugier, vers qui il va se réfugier, parce que la confiance est aveugle, la confiance elle est totale. Et cette confiance-là, un sélectionneur il a aussi besoin à un moment donné d'avoir quelqu'un un peu comme un Carbone 14. C'est-à-dire une personne qui va, dans toutes circonstances, pas que sur le terrain d'ailleurs,
dans le vestiaire, mais pas que sur le vestiaire, va aussi lorsque vous êtes au château, lorsque vous êtes à l'hôtel, lorsque vous êtes par petits groupes, être en permanence celui qui restera sur la ligne de conduite du sélectionneur. Je dis pas, attention, hein, ne vous méprenez pas sur mes propos, je dis pas que c'est l'œil de Moscou, Olivier Giroud en l'occurrence, loin de là, non, c'est celui qui, par vent, contre vents et marées, défendra, ira au bout de la logique de Deschamps, y compris si le doute vient un peu à s'installer dans le groupe. Il sera là pour relayer en permanence ça. Et ça, un sélectionneur, il a besoin d'hommes comme ça. Et puis au-delà de tout ça, moi je trouve que sur le terrain, Olivier Giroud, il fait ce qu'on lui demande dans le rôle où il est et dans le schéma de jeu dans lequel le fait jouer Didier Deschamps. Et il le fait bien, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de débat autour d'Olivier Giroud, Marion Hidalgo désormais, même si son jeu peut déplaire, même si sa situation en club n'est pas forcément la meilleure, il démontre aujourd'hui, et Deschamps à travers lui, qu'il est indispensable. Oui, mais Deschamps le sait depuis un petit moment, n'oublions pas quand même qu'il y a eu à Clairefontaine des petites frictions entre Olivier Giroud et Kylian Mbappé. Olivier Giroud reprochant un petit peu à Kylian Mbappé d'être un petit peu trop starifié. Donc ça reste quand même toujours un peu fragile, mais ce qui est sûr c'est que Deschamps, je vous l'ai déjà dit, prend des joueurs qui n'ont pas des égos surdimensionnés, il a pris plutôt des gentils, oui, je vais dire les choses de cette manière-là. Olivier Giroud n'a pas fait le premier match, hein. Il peut ne pas faire le troisième, il peut ne pas faire le quatrième, il peut ne pas faire le cinquième, si cinquième il y a. Donc voilà, il ne faut pas non plus. Voilà, mais voilà, c'est-à-dire que Olivier Giroud est à la fois effectivement l'œil de Moscou, comme dirait Jérôme, ça c'est sûr, mais il est aussi celui qui accepte, enfin, qui fait semblant d'accepter d'être le deuxième. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Dany Cohn-Bendit nous a rejoint. Bonsoir Dany. Bonsoir. Je sais que vous êtes rivé sur le match Allemagne-Suède. Toujours 1-0 pour la Suède, le but de Toivonen. On va en parler. On est en ligne évidemment avec Julien Froment pour ce match. Mais on est au cœur du débat aussi de l'équipe de France. Et Giroud qui est le bon soldat. Giroud qui devient l'incontournable et l'homme de Deschamps. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Alors, il faut faire attention maintenant. Avant, Giroud c'était rien. Et maintenant, c'est l'incontournable. C'est vrai. Bah oui. Alors moi, je dis, oui, Giroud a la confiance de Deschamps. Il l'a eu pour le deuxième match. Il l'aura vraisemblablement pour le troisième match. Et puis, qui vivra, verra. Donc, si on fait l'incontournable, ça veut dire que maintenant, jusqu'au titre de champion du monde, on aura toujours Giroud. Pas sûr, camarade. Pas sûr, j'en sais rien. Ça dépend de l'évolution et tout ça. Donc, Giroud, c'est vrai, a fait quelque chose qu'au premier match les autres ne savaient pas, c'est-à-dire diriger le pressing, donner le signe pour le pressing, ça c'était important, et puis après on verra, c'est un bon joueur, c'est un joueur qui a du muscle dans la surface de réparation, et maintenant les choses peuvent évoluer, tout d'un coup Griezmann jouera avant-centre, à gauche il y aura Lemar, à droite il y aura Mbappé, et puis... Est-ce que c'est lui qui prolonge le message de Didier Deschamps sur le terrain, finalement, qui est l'incarnation du jeu à la Deschamps, oui, sans doute. Thierry Bretagne? Ça, sans doute. C'est-à-dire, il prouve par ses actes sur le terrain. Et moi, ce que je voudrais ajouter, c'est un bel hommage qu'a rendu à Giroud Arsène Wenger, il n'y a pas tellement longtemps. Wenger disait, Giroud, quand je rencontre des clubs et des équipes britanniques, les coachs en face disent « Oh, dis donc, nos défenseurs, là, nos actions, ils se sont farcis Giroud pendant tout le match, mon ami. » Et Wenger disait « Oui, ils avaient l'air surpris, mais moi, c'est normal, ça. » C'est-à-dire, Giroud, il attaque les gens au cuir, vraiment. Mmh. Il leur tanne le cuir. Il y a une deuxième chose. On a parlé de son rôle. C'est magnifique que d'un seul coup, l'ébéniste devienne Philippe Stark. Mais il n'est pas Philippe Stark. Il est encore un ébéniste du Faubourg Saint-Antoine. Et c'est bien ainsi. Et c'est bien ainsi. Parce que quelque part, il s'est créé ce personnage grâce à Benzema, grâce à ceux qui le sifflaient en disant « il faut Benzema à sa place ». Ça fait des années qu'il trimballe ce boulet, qu'il trimballe cette ombre portée et qu'on le siffle en arrivant sur le terrain alors qu'il les fait tous bouffer, les coquets. Parce que les petits Saint-Syriens, là, le père Giroud, il en met aussi. Il se contente pas de filer des coups. Il met des buts. Miam, 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 miam. Ça fait becter tout le monde, cette affaire-là. Et il faut avoir
excusez-moi de cette trivialité, un peu la reconnaissance du ventre. Et puis, dernière chose, derrière ça, il y a aussi, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est son passage d'Arsenal à Chelsea. Alors, c'était certainement un avantage, mais il répondait aussi un peu aux vœux de Deschamps. Deschamps lui avait dit, change de club, tu joues pas assez, là, il faut te remettre en question autre part et récupérer des minutes. Eh bien, il l'a fait. Bon, c'est pas pour ça qu'il un joue plus, forcé, mais il l'a fait. Le oui, sentiment de Patrick Julliard, et après on va vivre la fin de la première mi-temps d'Allemagne-Suède avec Julien Froment dans quelques instants, mais votre point de vue sur le cas de Giroud qui... véritablement une vraie force mentale pour supporter tout ouais, ça. Mais au-delà des histoires mentales, psychologiques et autres, pour moi ce qui est important c'est que Giroud donne une option tactique que les autres attaquants de l'équipe de France ne donnent pas. C'est un joueur qui est fait pour le combat et le jeu aérien, c'est le cas d'aucun attaquant français depuis très longtemps. Même Thierry Henry qui était sûrement un bien plus grand joueur techniquement parlant et tout court qu'Olivier Giroud, c'était pas un joueur de tête, c'était pas un joueur qui aimait le duel. Même David Trezeguet qui était un finisseur supérieur à Olivier Giroud, c'était pas non plus un joueur qui aimait ça. Donc Giroud, il apporte cette appétence pour le duel, pour les joutes physiques que Deschamps aime bien, parce que lui-même était un un joueur teigneux. C'était un peu un Gattuso français, hein, un petit peu, dans toute proportion gardée. Et ça, il l'aime bien chez Giroud. Et aussi, je trouve qu'une équipe de France qui est en panne de créativité, qui a du mal à trouver Griezmann dans les intervalles, eh ben, elle est bien contente de pouvoir allonger, de toucher Giroud par des balles aériennes. Alors ça, c'est très bien, mais c'est quand même... malgré tout, ça reflète quand même un manque, un déficit dans le jeu de l'équipe de France. Donc finalement... que Giroud apporte beaucoup et qu'il ait fait un match fantastique l'autre jour, il n'y a rien à dire, et que ce soit avec ou sans ballon, il a été parfait, je lui mettrai 8 ou 9 sur 10, mais ça reflète aussi certaines absences des autres joueurs. En tout cas, Giroud est très important aujourd'hui, vous avez sans doute tous et toutes ici dans ce studio réussi un exploit. Faire aimer Olivier Giroud aux auditeurs et aux auditrices. Et surtout être à peu près tous d'accord sur Giroud, ce qui n'a pas toujours été le cas sur cette antenne par le passé.